bon Dieu te relé Abraham dans une zone que y aurait les Mésopotamie qui correspond à l'Irak actuel. Abraham te gagné 75 ans. Madame Lee, 65. Donc depuis dans le pays, li, dans la zone irakienne, possibilité pour gagner petite, te gata paraît impossible. Koli te commencé à user, Madame Lee te stérile. Mais bon, Dieu te dit, il va t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation. Trajet n'a pas de facile pour Abraham. Pendant route là, il fait erreur. Il y en a plus grosse erreur que monsieur fait. C'est lorsque le roi des années a passé. Et puis, il est pour jamais petit là. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Après, M. Finton, il a gardé 15 années. Ça fait 15 ans depuis l'Éternel t'a fait la promesse là. Et puis, les ouais, ça n'a pas marché. Sous conseil, Madame Lee, là le côté Agar, lui fait petit avec Agar, qui était une grosse erreur. Mais là, le fait petit là, bon Dieu dit non. Ismaël, c'est pas lui-même qui l'enfant promis. C'est pas Israël qui a besoin d'héritage. C'est enfant qui a sorti. Dans Saint-Ou, ces petits garçons qui ont sorti dans Saint-Ou. Donc, monsieur continue à attendre. Il attend l'autre 10 ans encore. Donc, l'on est arrivé à l'âge de 100 ans. Ou bien encore mieux, l'on est arrivé à l'âge de 90 ans, 99 ans. Bon Dieu dit l'année prochaine, le consacre, moi qui pour me visiter. Et c'est comme ça Abraham te vin by naissance avec Isaac à l'âge de 100 ans, tandis que Madame de lui-même te gagne 90 ans. Ou capable d'imaginer joie Abraham, le loué petit ça. Il fait 25 ans à Tanni. Il quitte le pays pour le gagner. Il quitte le jardin, il te possédé pour le capable de gagner. Li quitte bien en Mésopotamie derrière pour être capable de gagner un petit ça. Li habitait dans un pays étranger pendant des années pour avoir cet enfant. Donc, ou qu'a imaginé la joie d'Abraham, le loué Isaac. Donc, depuis le Isaac entré dans Kaila, c'est la joie. Depuis le Isaac entré dans Kaila, c'est fête. Abraham était béni en pile matériellement, selon Genèse chapitre 13, verset 1er. Il était béni en argent, en troupeau et en or. Donc chaque jour, c'est gros manger, c'est tout les cabrites, c'est tout les bœufs. Et a célébré petit ça qui est Isaac. Et petit garçon a grandi. Abraham a gardé petit qui grandit avec un sentiment de satisfaction. Donc là, dit, si mourir aujourd'hui, je connais, je suis un petit capable de gérer l'héritage. Et puis que monsieur content. Mais une nuit pendant l'abdomen, il y a un monde qui est entré dans la chambre et puis il rend compte que c'est l'Éternel des armées. Et puis la voix de Dieu commence à parler avec elle. Il dit, monsieur, il y a un bagage que le pas jamais espéré, que le tape tendé dans la ville. L'étendue, bon Dieu dit,
en Genèse 22, 1er. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te montrerai. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et à l'offrir sur une montagne que m'avait montré. Ou qu'à imaginer cette nuit-là que Abraham pas dormi, si c'était moi qui n'ai pas dormi. J'ai réfléchi. Est-ce que je bien entendais? Est-ce que je bien ouais? Est-ce que c'est Satan le diable qui parlait devant pour pas mon mauvaise idée? Mais elle dit, si c'est Satan le diable, c'est bizarre. Parce que si c'est Satan le diable, si voit ça, t'as Satan le diable, eh bien, c'est même voix ça qui parle à même qui dit prends ton fils ton unique là, même voix qui parle à même qui dit prends ton fils ton unique là, c'est même voix ça qui te dit pour le bon mon petit, il te bat moins. C'est pas de Satan le diable. Donc, il n'est pas capable, l'a dit là, mon petit, je te crois, c'est bon Dieu, et puis quand il y a cool, il m'offre le petit là pour me dire c'est Satan, mais il dit c'est même voix, c'est même personnage là. Donc, monsieur levé, de même matin, de très bonne heure, de très tôt. Et puis la Bible dit, le secouer, puis dit ça dans la cabane. Peut-être dans le sac qui était à peu près tiné, dure 14 ans, 15 ans. Et puis il prend monsieur. Et puis il dit, on a la même, on a le fond route avec. Parce que la Bible dit, monsieur, levé de bonne heure. Si c'était moi, je t'ai roulé, je t'ai viré, je t'ai reviré sous la cabane. Pour moi, est-ce que l'Éternel t'a qu'à changer d'avis? Est-ce que t'a qu'à changer mind? Mais Abraham, levé de très bonne heure, nous dit la Bible, et puis il dit, petit là, en nous font route. Il y allait avec quelques serviteurs, il fait moitié chemin, en l'air, il vient barrer mon taille là. Il dit, l'autre serviteur, il aurait été là. Et puis il dit comme ça, m'braler sous tête mon taille là, pour mal adorer. M'bralé sous tête montagne là pour mal adorer. Tout autant ou pas prêt pour livrer à l'Éternel ça qui est plus cher à vous-même ou pour qu'on y ait adorateur. Un adorateur, ce n'est pas chanter belle chant, non? Un adorateur, ce n'est pas danser. Un adorateur, ce n'est pas mettre en l'air de l'olanger, tout ça bon. Mais un adorateur, c'est un monde qui livre totalement entre les mains de l'Éternel. Ça, l'Éternel dit, c'est ça qu'il fait. Est-ce que l'on a? Il dit, « Ambralé sous tête montagne là, pour mal adorer. » Pendant que monsieur a monté sous tête montagne là, puis dit, il a posé une question, il dit, « Papa, il dit, moi, couteau. » Il dit, moi, ouais, du feu, ya. Ça veut dire, moi, ouais, bois pour nous faire du feu. Ya. Mais il dit, où est le sacrifice? Et puis, monsieur répond, il dit, mon fils, Dieu lui-même pourvoira. Mais on est capable d'imaginer, le Isaac posait la question ça, que monsieur, ploup, il est tombé en bas de la pied. Monsieur saisi. Qu'elle casse, parce qu'elle connaît ses propres petits garçons, elle va le sacrifier. Je peux imaginer pendant que je suis monté mort dans tout, la pala tête, il dit mon propre petit garçon, bien bonheur le matin, pendant qu'elle a dormi, et puis je suis parti avec elle. Sarah, pas qu'on est qui côté m'a allé. Elle m'a retourné, elle m'a demandé pour petit garçon, ça m'a dit. Donc je peux imaginer tout le bagage a passé dans la tête, Abraham. Monsieur confus. L'Éternel te dit, moi, ça, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Comment le faire demander pour me sacrifier pour petit moi encore? Mais cependant, malgré doute, malgré question, malgré confusion, monsieur pas rebellé à la voix de l'Éternel. Monsieur continue à avancer. Monsieur montait là. Et puis il rivait sous tête, mon Morija. Il râlait premier piquette là, il mettait la tête.
Il regarde le deuxième piquette là, il plante le dans terre. Il regarde le troisième là, il plante, il regarde le quatrième là, il plante. Après ça, il met les mots sous bois. Sous côté, il met les mots sous bois plate sous yo. Pour le capable offrir sacrifice. Après ça, il prend le garçon, il bande gel. Et puis il met le couché. Il met le couché sous l'autel. Et puis il regarde le couteau qui nous amène là. Pour le poignarder le petit garçon en deux gestes. Et puis lever main avant de descendre. Il entendait une voix qui parlait dans le ciel là. Et qui dit, Abraham, Abraham, ne fais point de mal à l'enfant. Parce que je vois maintenant que tu crains Dieu. Moi, ouais, que vous gagnez crainte pour l'éternel. Et puis il dit, Abraham, viens regarder derrière. Il vient regarder derrière. Les voyons bouc cabrit. Les voyons bélier. Qui t'est marré dans le pied bois. Sous tête montagne là. Donc, si vous comprenez bien, Abraham, dans une bonne montagne là, l'a monté. Toute montée l'a monté, il pensait pas à une provision. Toute montée l'a monté, il pensait pas à un sacrifice. Toute montée l'a monté, il pensait pas à un bélier. Toute montée l'a monté pas à un cabrit. Mais pendant l'a monté sur une bonne montagne là, pendant lui-même l'a monté, bélier à lui-même, l'a monté tout. Chaque pas Abraham fait, bélier a fait. Parce que chaque pas fait provision plus près. Chaque pas fait grâce plus près. Chaque pas fait bénédiction plus près. Chaque pas fait dans l'obéissance la grâce de Dieu plus près. Si vous comprenez ça, me dit, a dit gloire. Il dit, ne fais point de mal à l'enfant. Car je vois maintenant que tu crains Dieu. Il dit, prends bélier là. Et puis il dit, offrez-le en sacrifice. L'épître aux Hébreux qui a parlé plus tard de Aksa que Abraham a fait, il dit comme ça que Isaac était mort. Isaac a été mort symboliquement. Israël, Isaac, t'est sacrifié symboliquement. Malgré le pas de sacrifier physiquement, mais la Bible dit comme ça, Isaac t'est sacrifié symboliquement. Parce que papa te croit que même s'il t'est tué petite là, bon Dieu t'a capable de lever d'entre les morts et faire le ressusciter encore. Donc Isaac, c'est une image de Jésus-Christ qui mourit et qui ressuscitait sur le bois du calvaire. Est-ce que nous avons aimé? Même Jean, Abraham t'a remis petite là, c'est comme ça, papa t'a remis petite là. Même Jean Abraham, eh bien, t'es monté sur tête montagne pour la sacrifier petite lit. C'est comme ça, Jésus t'es sacrifié son tête montagne qui est le mont Calvaire. Est-ce que vous avez même Jean l'a t'a sacrifié Isaac, ou dans toute histoire là, ou pas jamais t'as de Isaac relé, li pas jamais dit un mot, li pas jamais goumé avec papa. Le a sacrifié Jésus, la Bible dit t'es t'as comme une brebis muette, eh bien, qu'on mène à la boucherie. Même Jean, Isaac, t'es symboliquement sacrifié. Après ça, il est levé encore. Il est venu vivant. C'est comme ça Jésus-Christ est mort. Et puis il est venu levé vivant. Maintenant, nous posons peut-être une question. Ça. Pour qui ça? L'Éternel t'a demandé Abraham pour sacrifier Isaac. Pour qui ça? Il t'a demandé pour sacrifier Isaac. Parce que Isaac était une semence. On nous dit semence. On dit ça encore, on dit semence. Isaac était une semence. Ouais, l'on priait l'Éternel et pour demander le zaboka. Li pa bon yon pie zaboka. Li bo yon tigren zaboka. Est-ce que l'église va m'en dire?
Lors prier ou mande l'Éternel pour ou mande l'Éternel pour kokoye, li pa bon yon gros pied kokoye. Li bon grain kokoye. L'Éternel toujours bon yon semence. L'homme mande le pon baga, li pa nécessairement bon pied bois, li bon semence là. Et puis l'homme prend semence là ou investit li ba ou so ap tan nan men l'Éternel là. C'est ça que fait la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Gagnez trois principes importants par rapport à la semence dans la Bible. Premièrement, on moissonne ce qu'on sème. Ce qu'on sème, ou moissonner sans semer. Deuxièmement, ou moissonner après au semé. Troisièmement, ou moissonner, puis plus qu'au semer. Vous entendez ça, M. Dola? Premièrement, ou moissonner sans semer. Deuxièmement, ou moissonner après au semer. Et troisièmement, ou moissonner, puis plus que au semer. Et si vous regardez tous les trois principes de semence, ils ont manifesté dans la vie d'Abraham. Le Abraham mandé l'Éternel pour petit, l'Éternel bal Isaac pour lui, il pensait Isaac c'était petit là, mais Isaac pas de petit là, Isaac c'était semence pour petit là. Parce que leur prier ou mandé bon Dieu, yon bagay, premier bagay libral baou, libral bon yon semence qui permet ou investir et puis qui permet de multiplier pour qu'il gagne une grande quantité qu'on veut. Dieu répond toujours par une semence. Donc, l'Abraham a besoin en pile petite, etc. Qui ça l'Éternel te dit? L'Éternel te dit, je ferai de toi une grande nation et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Petit ou bien pour le remplir la terre entière. Donc, l'Éternel Abraham, Isaac, c'est pour quoi? Réponse prière. Isaac, c'était la semence. Parce que, puisque yon moun sans semer, c'est lui récolter. Sous semer maïs, ou récolter maïs. Sous semer banane, ou récolter banane. Sous semer pois noir, ou récolter pois noir. Donc, si Abraham besoin petit, faut le semer petit. Est-ce que l'église comprend ça qu'on dit là? Donc l'elfine by monsieur Isaac, après ça, l'imandel pour l'offrir Isaac en sacrifice, c'est que je te dirai, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, mais avec seul grain Isaac, il n'est pas assez pour les nations de la terre bénies. Donc Isaac, c'est une semence petite, et puis m'bralmando pour prendre petite ça, pour offrir la moi-même, et l'on offrir la moi-même, qu'on y a petite ça, il multiplier, et puis il va petite un peu partout à travers le monde. Isaac, pas de promesse là, Isaac, c'était semence, promesse là. Est-ce que nous commençons à m'a dire là? Isaac, c'était semence, promesse là. Si Abraham t'a refusé l'Éternel Isaac, l'étape gain, yon petit garçon, mais elle t'a prêté avec yon seul petit garçon. Parce que le Padjam semait son fils. S'il voulait récolter des milliers de fils, c'est pour le semer son fils. Est-ce que l'église comprend ça, dit là? Je dis à là dans le monde, il y a à peu près 15 millions de juifs sur la terre. 15 millions de juifs sur la terre. Kounye Allah, sans compter ça qui existait dans les années avant des millénaires passés, etc., etc. Ça, c'est juif que yo ka identifié comme juif, parce que y a qui gagne 100 juifs et puis pas identifié comme juif. Maintenant, juif yo ka identifié ou quand t'as 15 millions qui vivent seulement sur la terre, sans compter des milliers d'années qui passaient, Abraham te vive à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc cela veut dire sans compter 4000 ans. Kabay nation juive, des millions de juifs qui vivent sous la terre. Mais quand elle sortit, dans graine semence petite que Abraham t'a semée.
Est-ce que l'église comprend ça maintenant là? Me déclarer ou moissonner son semer. Me dire me déclarer ou moissonner son semer. Me déclarer en 2020 tout son semer ou moissonner au nom de Jésus. Ou moissonner son semer. Deuxièmement, ou moissonner après qu'on semé. Est-ce qu'on réalisait que Abraham semait petit garçon là? Et puis il a fallu attendre Jacob qui bral bay 12 timoun et puis il bral vin tourner 70 et puis il vin faire Égypte, il vin bay 3 millions et puis kounya autant d'Israël, il vin bay 10 millions à travers des âges, il vin bay un paquet millions. Mais il a fallu attendre après. Yon moun pa jamais mette, yon grain de maïs à terre, et puis même côté semer grain de maïs, et puis même côté alba et puis les maïs. Non. L'or fin semé, gon temps qui passe entre l'or ou semé et l'or récolté. Et moun qui est intelligent, qui ça le fait, même s'il garde l'ouè, ça le semé pour qu'on bat le résultat, mais chaque jour levé, li rosé place. Côté le semer parce que le connaît n'a pas beaucoup de résultats aujourd'hui, mais la bas résultat quand même. Si vous comprenez ça, me dit, dis gloire. Yes. L'Éternel m'a dit pour semer, même si vous regardez un tel témoignage, moi-même, je n'ai pas de témoignage, je n'ai pas give up, je n'ai pas abandonné, je n'ai pas découragé, je n'ai pas dit l'Éternel m'a dit, parce que tout pied bois ou semer, eh bien, pas bon résultat, même gens. Est-ce qu'on t'a dit ça, Mandoula? Il n'y a pas même le. Si c'est du riz ou semer, dans quelques mois, il y a une bonne récolte. Mais si c'est pied coco et au semer, il y a peut-être des années pour bonne récolte. Est-ce qu'on t'a dit ça, Mandoula? Il y a quelqu'un qui bonne récolte dans 3 mois, quelqu'un qui bonne récolte dans 3 ans, quelqu'un qui bonne récolte dans 5 ans. Regardez, nous qui devons planter même jour, mais nous ne pas récolter même jour. Ça dépend de grâce, ça dépend de bénédiction que nous avons dans mes bons dieux. Est-ce que nous avons mais? Mais l'homme qu'on aime de semer quelques bagailles, que le prend 3 mois, que le prend 3 ans, que le prend 7 ans, que le prend 10 ans. Abraham, il te prend 25 ans, mais chaque jour me lever, moi, bah, bon Dieu, gloire. Chaque jour me lever, m'exalter, mon Dieu. Chaque jour me lever, moi, louer, mon Dieu. Ça a les roser, semence-là. Mais soit roser, semence-là, tôt ou tard. Rien nous te semer, les gars, pour le manifester quand même. Sous comprendre samedi à dit gloire. Ou semer, ou moissonner sans semer, ou moissonner après ou semer, et ou toujours moissonner, puis plus qu'on semer. Le prophète Amos dit: celui qui sème le vent récoltera la tempête. Celui qui sème le vent récoltera la tempête. Lorsque met le vent, ou pas récolter le vent. Lorsque met le vent, ou récolter la tempête. Lorsque met yon grain kokoe à terre, eh bien, les pieds bois vinil pa ba yon grain kokoe, li ba yon paquet kokoe. Parce qu'on toujours récolté puis plus qu'on semait. Abraham plantait un petit garçon qui était relé Isaac. Mais petit garçon, ça fait 4000 ans à produire des juifs sur la terre. Depuis notre Abraham, rive juste aujourd'hui, il y a plus de 15 millions de juifs dans le monde qui côté le sorti. Il est sorti dans graine petite ça que monsieur était semé. Est-ce que l'église a dit ça maintenant? Dans graine petite là. Ou récolter sans semer, ou récolter après au semer, ou toujours récolter, puis plus qu'au semer. Mais on connaît la différence qui gagne, un problème qui gagne entre moi et ma veille. C'est que en pile fois, nous pas fait différence entre semence et récolte. Nous pas fait différence entre récolte et semence. Donc, yon semence, l'orgue semence, la bon, raison que tu fait bon Dieu by Isaac, c'est pour raison que tu fait bon Dieu by Abraham, Isaac, c'est pour te semer Isaac. Il te bal Isaac pour semer Isaac. C'est ça qui fait aussitôt ou garder où est que monsieur fin semer Isaac dans Genèse chapitre 2,
dans Genèse chapitre 2, il fin semer monsieur, ou garde ouais deux chapitres plus tard où elle parle de la mort d'Abraham. Abraham il fin semer monsieur, il fin semer monsieur après ça le marié monsieur le mourit. Parce que puis attendez ça me dit là oui, Abraham il fait dans Genèse chapitre 22, il semer Isaac, dans Genèse chapitre 24, il dans Genèse chapitre 22, il semer Isaac, dans Genèse chapitre 24, il marié Isaac après ça le mourit. Gros mission que monsieur te gagné, c'était semer Isaac. Est-ce que l'église commence à me dire là? Isaac, c'était une semence. Isaac, ce n'est pas de récolte là. Récolte là, c'est millions de juifs qu'on gagne aujourd'hui. Moisson, c'est millions de juifs qui existaient à travers les âges, à travers les années, un peu partout à travers le monde. C'est ça que moisson. Hein. Isaac n'était pas la moisson, Isaac était la semence. Moi, je dis, un pile fois, là, nous prions, premier grâce que mon Dieu bat nous, hein, ce n'est pas la moisson, c'est la semence. Mais nous-mêmes, erreur que nous faisons, l'un dit comme ça, nous prions, et puis quelquefois, bon Dieu bénis-nous, nous pensons que c'est la moisson, et puis au lieu de nous semer, parce que pour qui ça, l'Éternel baillon semence, les baillons semence pour semer semence, là, pour capable de venir en moisson. Donc, un pile fois, nous-mêmes, au lieu de nous semer semence, là, nous manger semence, là. Autant des amis là, au lieu de semer semence, là, nous manger semence là. En nous dit de l'Éternel, en nous dit l'Éternel, ou de l'Éternel, yon pied kokoye. Et puis l'Éternel bon yon grain kokoye pour semer. Et puis ou même qui sont fait ou prend kokoye ou cap ou cassel ou boit de l'eau manger nanan, ça en fait. Est-ce qu'on avait ça capacité? Ça capacité. Est-ce que malgré moi son kokoye? Non. Parce que semence là, nous t'ai mangé semence là. Est-ce que n'avait mais moun qui intelligent le l'Éternel boyon semence ou investi semence là ou rosé semence là pour semence là qu'a multiplier plus tard dans la vie. Est-ce que les est-ce que nous comprenons ça me dit? Sous comprendre ça me dit, dis gloire. Sous comprendre ça me dit, dis gloire. Sous comprendre ça me dit, dis gloire. Mais y a un monde capable poser une question. Pasteur Greg, où dit quelques bénédictions mon Dieu ba nous sont semence. Quelques bénédictions ba nous sont moisson. Comment pour me faire différencier yon moisson de yon semence? Comment me faire connaître bénédiction que me gagne maintenant? Est-ce que son moisson ou bien yon semence? Mais comment différencier yon moisson de yon semence? Sou gade ou est ça qui gagne men on là? Li pas assez pour concrétiser promesse que l'Éternel fort là son semence. Ah, on va comprendre ça m'dou là. Ou pas comprendre ça m'dou là. Le l'Éternel font promesse. Sou gade ou est ça qui gagne en d'autres termes. Sou gade ou est ça ou gagne men on là, li pas assez pour ça ou attendre mais bon Dieu, ça ou connaît bon Dieu supposé faire, ça ou connaît bon Dieu supposé réaliser, ça bon Dieu promet ou l'a fait. Sou gade ou est ça qui dans men on là, li pas assez par rapport à ça que ou attendre mais bon Dieu a, ou bien il te dit t'a balade donc ou connaît moisson pour qu'arriver, c'est une semence. Le l'Éternel te relé Abraham, qui ça te dit Abraham? Il te dit Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que seul grain Isaac t'est assez pour lui en bénédiction pour toutes les familles de la terre? Yon seul grain moun t'es qu'à marcher dans toute nation sous la terre, etc. pour bénédiction? Non. Et moisson, hein, c'est tout juif qui un peu partout à travers le monde. Sous garde pour être toute économie, presque économie, tout grand pays dans le monde, yon soutenu par des juifs. Aux États-Unis, juifs, en Espagne, juifs, en France, juifs, en Allemagne, juifs, en Suisse, juifs, en Angleterre, juifs, presque en Argentine, juifs, presque en Brésil, juifs, presque toute grande économie dans le monde. Qui est-ce qui ont source de bénédiction pour eux dans toute grande nation dans le monde? Ce sont les juifs. Est-ce que nous avons ça, c'est sur le plan économique, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, la Bible dit le salut vient des juifs. Dans tout pays où passé dans le monde, l'évangile a prêché. L'évangile a prêché aux États-Unis. L'évangile a prêché en Allemagne. L'évangile a prêché en Espagne. L'évangile a prêché en Haïti. L'évangile a prêché en France. Qui côté tout l'évangile ça sorti? Le salut vient des juifs. Qui côté le sorti? Le sorti dans Abraham. Lion bénédiction économique. Lion bénédiction spirituelle. Lion bénédiction sociale. Un peu partout à travers le monde. C'est ça qui moisson. Mais Isaac, c'était la semence. Est-ce que les gens sont pas à me dire? Isaac, c'était la semence. Donc, le bon Dieu te dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et sacrifie. Ce n'est pas parce que son bon Dieu qui est méchant, c'est parce que le connaît premier petit que le débat, monsieur, ce n'est pas de moisson, c'était semence, ça le et seul Jean petit sac en bénédiction, c'est s'il d'accord offrir à l'Éternel les âmes. Vous comprenez ça, me dit, gloire. Vous comprenez ça, me dit, gloire.
Si vous comprenez ça, me dit à dire gloire. Donc c'est chaque fait, c'est ça que fait. Chaque temps, l'Éternel bral fait un bagage extraordinaire dans la vie au monde. L'a mette quelque chose dans mer et puis l'a dit le semer la caille. Pendant ou fait bon Dieu confiance avec lui, ou a gardé pour sort semer, ou a récolté, ou a gardé ou a pour sort semer, ou a récolté après au fin semer, ou a gardé sort semer, ou a récolté puis plus côté semer parce qu'on a consommé au nom de Jésus. Est-ce que ça va? Par l'Éternel, on applaudit pour vous. Je voulais préparer cœur. Assoyez un papelon avec vous, même je voulais préparer cœur. Je voulais préparer cœur à soya pour demain soir. Demain soir, nous allons honorer bon Dieu avec offrande 365. Nous. Je prends temps pour me faire enseignement ça. Pour qu'on ait, lorsque nous avons présenté une offrande de la caille bon Dieu comme ça, ça voulait dire. Qui importance spirituelle? Qui principe spirituel qui derrière? Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous devons faire offrande 365. Et pour présenter offrande 365, où? Et puis il n'est pas utile ou rien. Ça fait ça. Parce que offrande pas bouger, mon Dieu. C'est la foi qui bouge, mon Dieu. Est-ce que nous commençons à me dire, hein? Ça veut dire, si je présente une offrande, je ne pas comprendre ça m'a fait, je ne pas croire dans ça m'a fait, je ne fait pour routine. Il n'y a pas de différence dans Dieu, mon Dieu. Parce que le pas agréable. Mais l'homme a fait une offrande, je comprends qui principe spirituel qui est derrière. Je comprends qui ça m'a fait, je comprends pour qui ça m'a fait, et je crois dans ça m'a fait, qu'il y a une offrande moi accompagnée de la foi, et puis soudainement, il vient agréable dans Dieu, mon Dieu. Il fait bon Dieu content. Et là, bon Dieu a béni. Bon Dieu n'a pas béni pour offrande là comme tel. Il est béni parce que offrande là représentait la foi qui la caille petite garçon, qui la caille petite fille là. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais prier à soya. Je vais prier à soya. Sous toute enveloppe 365. Tout le monde qui peut prendre enveloppe 365. Ou bral prend enveloppe 365 au nom de Jésus. Et puis moi bral prier sous yo au nom de Jésus. Tout le monde qui peut comprendre, ou bral prend au nom de Jésus. Et tout le monde qui a enveloppe 365 ou ap lever et puis bral prier pour yo au nom de Jésus de Nazareth. Moun qui gagne déjà ou ap présenter offrande 365 ou à l'Éternel. Demain soir, n'ap gen chance pour nous porter toutes le 31 décembre devant bon Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Offrande qu'a fait là, demain soir, que n'a présenté pendant jour ça et n'a prié sous yo, c'est ça où il y a une offrande symbolique. Une offrande symbolique. Dans la Bible, toujours il y a des gestes symboliques qui fait. Lorsque l'Éternel te dit, fais tour de Jéricho, c'était un geste symbolique. Parce que Nathan ça, l'armée prend contrôle de yon ville. Yo te kon assiégé ville là. Le yo dit assiégé, ça veut dire l'armée a campé tout autour de ville là. Le l'Éternel dit qu'on ça marché tout autour de ville là, cela veut dire symboliquement, même si nous pas gen zam, symboliquement, même si l'armée nous a faible, symboliquement, même si nous semblait nous pas gen assez puissance, fait geste symbolique là et puis marcher autour de ville là. Cela veut dire dans le monde spirituel ou ap assiégil par la foi. Est-ce que l'église a dit ça m'a dit hein? Parce que la Bible dit tout ça ou fait sous la terre, li gen pour fait dans ciel là, tout son maré sous la terre, li démarré dans ciel là. Tout son démarré sous la terre, li démarré dans ciel là. Ça veut dire sous vini ou ap marcher autour de ville là, ou ap assiégil sous la terre. Selon le principe, tout son maré sous la terre, l'ap maré dans ciel là, tout son démarré sous la terre, l'ap démarré dans ciel là, tout son assiégé sur la terre, l'ap assiégé dans ciel là, pendant ou ap marcher, ou mettre parti en épée, ou mettre parti en coup de poing, ou mettre parti en fusil, ou mettre par goumen, mais le ciel a assiégé, les anges a assiégé, les chérubins a assiégé, les séraphins a assiégé, parce que ça va faire sous la terre, symboliquement, m'a répété dans les lieux célestes. Et l'on va faire pendant 7 jours. Qui est le chiffre de la perfection.
Ça veut dire ou bral assiéger et pour bral faire 6 fois ou pas parler et puis 7e fois ou va parler ou va faire 7 jours au nom de Jésus. Ça veut dire m'a bral bon victoire sous Jéricho, m'pa bon victoire partielle, m'pa bon victoire 100%, m'pa bon victoire 50%, m'pa bon victoire 80% puisque tu fait 7 fois qui est le chiffre de la perfection, m'bral bon une victoire complète, m'bral bon une victoire parfaite, m'bral bon une victoire entière parce que tu fait là. Alléluia. Soit fait symboliquement sous la terre, ma va reproduire symboliquement dans le ciel. Donc là où nous terminons l'année avec une offrande 365, c'est une offrande symbolique. C'est un geste symbolique. Il signifie un bagage dans les lieux célestes. Ça veut dire chaque grain de jour, moi je veux couvrir. Chaque grain de jour, moi je veux bon Dieu bénir. Chaque grain de jour, moi je veux bon Dieu agir. Chaque grain de jour, moi je veux bon Dieu faire provision. Chaque grain de jour, moi je veux bon Dieu parler. Chaque grain de jour, moi je veux bon Dieu camper. J'en fais symboliquement sur la terre. C'est qu'on s'allie même, là va répéter dans le ciel là. Au nom de Jésus. Par l'Éternel, et on applaudit.